Alors bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site géobiologie.me ou espritdelanature.fr. On est à Pithiviers-le-Viel. Pas très loin d'Orléans. Dans les anciens termes, on serait dans une, soi-disant dans une piscine. Oui, que peut être une piscine. Avec une énergie très 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 négative. Ouh là là, il faut fuir, il faut nettoyer, il faut faire quoi? Il y a une couche avec un dragon qui est là pour modérer cette énergie, voire même quasiment l'enfermer, et qui a été quelque part enfermée par rapport à la peur des hommes. Et la peur de quoi? La peur de, en fait, toutes ces terreurs, hein, les terreurs que l'on enfouit. En fait, les terreurs qui sont en nous, et juste une énergie qui révèle ces terreurs. Il ne génère pas ces terreurs. Il les révèle et les met en lumière. Mais est-ce qu'on est prêt à les voir? Et est-ce que quelque part on est prêt à les transmuter? Deux options, soit on lutte contre, et du coup, bah généralement on a tendance à les nourrir, soit on accepte. Soit on les accompagne avec bienveillance. Et dans ces cas-là, on les transmute et on peut récupérer l'énergie qui était accrochée à cette erreur enfouie. Et alors, travailler à libérer un tel monstre, ça serait quand même inconscient. Est-ce que c'est judicieux actuellement? Je ne fais que ce que j'aimerais recevoir. Est-ce que j'ai envie qu'on me laisse enfermer? Ou est-ce que j'ai juste envie de pouvoir exprimer ce pourquoi je suis fait? Et vous? Vous préférez être enfermé? Ou vous préférez un peu de liberté? Et comme c'est des humains qui ont enfermé, ça ne peut être que des humains qui libèrent. Alors, il faut faire un grand, grand rituel extrêmement compliqué, ou simplement arriver à focaliser sur notre source, le cœur, mais le cœur dans la partie, la rivière d'énergie infinie. Et puis simplement, d'envoyer ça sur cette énergie, pas pour la faire disparaître, juste au contraire pour l'accueillir. Avec, en ayant lâché soi-même, effectivement, la peur de regarder ces terreurs enfouies, et se rendre compte que ces terreurs, souvent en plus, elles ne nous appartiennent pas. Elles sont liées à la société. Et elles sont liées à des terreurs collectives. On va retrouver plein de trucs. Que ça soit beaucoup de choses a priori ésotériques et connotées négativement. Les peurs de vampires, de se faire pomper notre énergie. Les peurs simplement de la nuit, avec tous ces monstres qui habitent la nuit, avec tous nos monstres qui ressurgissent à ce moment-là. La peur de disparaître, de mourir. Peur du néant, finalement, qui est une peur de l'unité. Est-ce que je perds mon individualité? Des loups? Des loups-garous? Le loup-garou, c'est quoi le loup-garou? C'est celui qui finalement va contacter une énorme puissance, mais n'en a pas du tout le contrôle. C'est je libère complètement mes instincts animaux. Les plus bestiales, les plus sauvages. Et en plus, je me mets au service. Moi, je suis influencé par quoi? Par la lune. Oh, comment ça? Un certain rapport où le féminin me contrôle
Et ce féminin contrôlant me fait sortir mes instincts les plus bas de tuer, de dévorer, de... Ah, tiens, tiens. Et si on revenait à dire, effectivement, se mettre au clair, allez, ça renverrait aussi justement sur son rapport à la sexualité et au sexe opposé. Mais on peut être une femme aussi. Et bien dans ces cas-là, c'est aussi renvoyer sur sa puissance, mais aussi qu'est-ce qu'on permet à l'autre. En fait, c'est dans les deux sens. C'est pas une histoire vraiment de masculin et de féminin. C'est une histoire de prendre le pouvoir sur l'autre, ou simplement être dans un côté pouvoir collaboratif et participatif. Donc, comme d'habitude, bien évidemment, cette vidéo n'a pas été répétée. Vous avez droit à ce qui se passe en direct live. Et ouais, c'est là où c'est plus amusant. Et alors, vous avez envie de vous brancher là-dessus? Eh ben, reprenez. Là, en gros, je vous filme le processus où cette énergie est en train simplement de redevenir accessible. Parce que, bien sûr, pourquoi laisser enfermer? Moi, j'ai pas envie d'être enfermé. Donc, juste libérer une énergie qui est bienveillante, même si elle est de polarité négative. Ne pas confondre les deux. Négatif ne veut pas dire malveillant. Et puis ce qui a été peut-être utile à mettre sous clé à un moment donné, ben peut-être que maintenant c'est juste utile à réveiller. Laisser sortir le monstre du labyrinthe, de notre labyrinthe. Et lui permettre justement de trouver la sortie aussi à lui. On est au milieu d'un hameau, moins d'un hameau, au milieu de tout un tas de constructions. Ils ont mis ça à jour il n'y a pas très longtemps, en 87, je pense, quand ils ont sûrement voulu construire. J'ai oublié le mot. Ce lotissement, on a tout simplement un lotissement tout autour. C'est un petit peu aussi un point de décharge. Mais au sens très concret. C'est-à-dire, on vide toutes les merdouilles. Oui. Et en même temps, en fait, on y déverse ce qu'on veut plus voir, quoi. Nos déchets. Comme par hasard. Et en plus, on a droit à un beau petit parfum de station d'épuration qui recouvre tout ça. Finalement, tout ce qu'on cherche à mettre au loin, tout ce qu'on cherche à planquer, et qui finalement nous remonte. En plein nez. Non, mais ça, c'est mon caca et je le mets très 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 au loin. Oui. Et bah tiens. Ça donne ça. Voilà. Bon, en plus, il a une très belle bouille. Il a une très belle bouille. Vous avez vu un mignon? Ça fait un peu ça. Excellent. Ça, c'est une petite boutade et un petit joke pour ceux qui connaissent. Ouais, on a le droit de rigoler. Ah, avec une énergie comme ça. Oh, mais non, quand même, c'est scandaleux. Eh ben ouais, je sais bien. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr en direct de Pithiviers-le-Vielle. Si vous passez dans le 45, faites un petit détour, c'est pas loin d'Orléans, en route vers Fontainebleau. On ne savait pas quoi faire, on allait voir l'église, mais l'église était fermée. Oh, des termes! Ça s'appelle tomber dessus par hasard. Donc juste aussi... S'autoriser à dire je vais quelque part et que parfois
Le point de destination, en fait, est juste une direction. Allons savoir. Peut-être que cela peut servir, y compris d'ailleurs dans les choix de vie, de dire, ok, là, c'est ça que j'ai à faire. Ok, je vais par là. Et puis à un moment donné, je me rends compte que, mais au fait, c'est pas exactement ça. Puis là, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Et ouais. Mais peut-être qu'on n'aurait pas accepté avant ce choix-là consciemment, avant de le vivre. Bref, du blabla quoi. Bon, ce coup-ci, c'est sûr, hein. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Bonne et belle journée.